La valeuse des tigues est le premier accès à la mer à l'est d'Étretat. C'est un endroit commode pour reconnaître les différents faciès du cognacien inférieur et du cognacien moyen entre Étretat et Fécamp. La sédimentation est d'un type particulier. Les couches ne se sont pas déposées horizontalement, mais sous forme de grandes ondulations. À l'époque, le fond sous-marin devait ressembler à une succession de monticules et de cuvettes relativement stable sur de longues périodes. le pendage apparent observé ne doit rien à un plissement ou à un basculement tectonique. Il est simplement lié à la morphologie du fond sous-marin. L'axe de la valeuse des tigues correspond à une cuvette. en allant vers l'est et sur environ 200 mètres, on rencontrera des couches de plus en plus anciennes. Sur ce panorama, parmi les couches de craie ordinaires, nous observons des niveaux de roches particulières. Ces roches sont de trois types. Premièrement, les silex, formés de silice pure. Deuxièmement, les marnes, qui résultent d'un mélange de craie et d'argile, c'est-à-dire d'un silicate. Et troisièmement, les hard ground, qui représentent une craie durcie, mieux cimentée que la craie ordinaire. Ces trois types de roches sont surlignées sur la photo. Par des couleurs différentes rouge pour le silex, bleu pour les marnes et jaune pour les hardgrounds. Rapprochons-nous de la falaise. Le pendage apparent est vers la droite. En nous déplaçant dans cette direction, nous observons donc des couches de plus en plus récentes. À la base, un niveau marneux. Puis un hardground. Puis un niveau de silex. Puis un hard ground, suivi d'un autre hard ground, et enfin un niveau marneux. Cette succession de niveaux de nature lithologique différente peut être replacée dans le cadre de la stratigraphie événementielle. À chaque niveau, nous allons faire correspondre un événement défini par un nom. Ce nom est généralement emprunté à la terminologie anglaise qui sert de référence. Il s'agit d'une interprétation avec un degré d'incertitude plus ou moins élevé. Nous reprenons donc notre description en y plaçant des noms la Marne Lewis, le Hardground Navigation, le Silex Cliff, le Hardground Hope Gap, le Hardground Courtin Light Point, la Marne Shoreham. La succession qui vient d'être énumérée peut être reprise avec plus de détails en regardant de plus près l'affleurement. Pour minimiser les dangers de chute de pierre, nous n'aborderons que les niveaux accessibles dans la tranchée des tigues.